Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors désolé pour ma voix qui est un peu complètement cassée, c'est je suis encore malade. Mais ça devrait aller. Alors, Royaume du Vaïr, déclaré de war, une sultana de Saranide. Ah. Donc nous on va aller à Veluca, je veux juste voir ce qu'il y a, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire dans la taverne. Là, il y a Gugus, il y a un ménestrel. Il y a un fermier. Ah, les fermiers, c'est cool. Il s'agit de Sheza. Donc ça veut dire baston. Ça veut dire baston, ça veut dire plein de trucs cool. Ouais, non, il faut que je vire ça parce que sinon... Voilà, vous voyez. Bientôt plus d'argent. On met de la viande séchée. Du pain. Ah, ça coûte cher. Ça coûte super cher. Donc, faut que j'aille à Sheza. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de Gugus. 21 bandits. Ça va. Surtout que là, ça fait un joli petit nombre. Là par contre je le fais un peu. En fait faudrait que je descende. Je me fais bien attaquer. Et oh. Oui. Aïe. Celui-là, il va crever. Le truc c'est que j'aime pas les gens qui ont des flèches, ça fait bien mal. Quoi, il est toujours pas mort. Voilà. Et ben on a géré. J'ai juste pris pas mal de coups quand même. 2 tués, 2 blessés, enfin alliés, 4 tués, 1 blessé, 15 tués, 6 blessés. Alors, d'ailleurs, ça va me permettre de récupérer de la bouffe. On va recruter des volontaires. Et là, on est bien. Alors, des promotions. L'ancien entraîné. Voilà. On a un coup hebdomadaire qui est assez impressionnant par contre. Alors, ça fait quoi? Et j'ai chopé, voilà. Bon, il y a 5 soldats en face, on a un bonus de combat de 14. Je pense que ça devrait aller. Je pense clairement que là, ça devrait aller. J'ai monté le niveau. Oh. Raté. Oh. Là pareil. Bon, c'est là qu'on va s'amuser parce qu'il y a tout le monde qui est là. Voilà. Ça c'est fait. Par contre, j'ai vraiment plus beaucoup de vie, il va falloir vraiment que je m'en occupe. D'accord, prendre tout ça. 22 deniers, c'est rien, mais c'est pas grave. Alors, le roi. D'ailleurs, on va...
D'ailleurs, faudrait que je monte de niveau. Est-ce que tu as une tâche? Ah, yes. Faut que j'aille tuer Bagramus le fourbe, qui est à Glenmar. C'est où? Glenmar. Ouf, c'est pas la porte à côté quand même. On y va. Ça me laissera le temps de récupérer un peu. On va passer par Fenner. Ok, d'accord, y a rien. Restons Glenmar. Alors là, j'espère qu'on va pouvoir se battre contre 2-3 trucs. Donc je monte mon personnage aussi. Voilà, sans des blessures, parce que je suis quand même pas mal blessé. Il faut que je m'améliore. Bon, là, il y avait des bandits de montagne, mais ils se sont barrés. Au retour, on passera par Yeden. Je pense. Je pense qu'on pourra passer par là-bas. 18 bandits de montagne. Je pense qu'on peut essayer de se les faire. Je vais un poil trop lentement. C'est pas grave. On va s'en aller. Coucou. C'est pas la porte à côté, Glenmar. Je suis à 41 en renommée. Et je suis à la limite de la taille du groupe. Il faudrait que j'augmente mon sens du commandement, je crois. Ouais, c'est ça. Il faut que j'augmente le charisme en plus. Sinon on n'atteindra jamais l'objectif des 100. D'ailleurs je rappelle les objectifs. Avoir une troupe de 100 hommes. Posséder 2 fiefs. Construire 4 bâtiments. Posséder un château ou une grande ville. Et recruter 5 héros. J'en ai combien? J'en ai 2. J'en ai 2, ce qui est pas mal déjà. Allez, on arrive à Glenmar. Pas trop tôt. C'est pas la porte à côté. Alors. Oh zut, je sais ce que j'aurais dû faire. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors là faut que je trouve le mec et que je le tue. Bon ça c'est l'ancien du village. C'est toi. Attendez, je vais descendre. Eh ben il était résistant. Voilà, ça c'est fait. Il faut que je retrouve le roi qui était par là-bas. On va passer par Yeden déjà. Mes relations avec Glenmar sont un peu détériorées, mais c'est pas très grave. C'est pas ça qui m'embête le plus. C'est pas ça qui m'embête le plus. Il n'y a pas une compétence pour aller plus vite. Ouais, c'est ça, c'est la connaissance du terrain. Royaume des Rodoks et Sultanat des Saranides ont fait la paix. Ah bah enfin. C'était la grosse guerre. D'ailleurs on a perdu quoi?
On a perdu le château d'Almera et on n'a rien gagné d'autre? Ah, on s'est fait avoir là. Où est-ce que je suis? Je suis là. Alors, Yélène. Y a-t-il quelqu'un? Un épéiste et un fermier. Ah, les fermiers, c'est bien. C'est-à-dire, bande de brigands. Il faut sauver le village Ilvia. C'est juste à côté. Tombe bien. Vingt-deux bandits. Oula, c'était pas ça que je voulais faire. D'ailleurs, ça me fait penser, voilà. Je vais plutôt faire ça. Ah ouais, mais non, mais s'ils sont en fait à cheval. Pas grave, ça change rien qu'il soit à cheval ou à pied, je les défonce bien. Aïe. Aïe. Voilà. Laissez-moi. Hey, ça c'est géré. Oh, par contre, je suis vraiment tout rouge. Avec ma tête. Un blessé, un allié, un tué. En face, 17 tués, 5 blessés. Et bam. Ok, j'ai rien. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était cool. Ça c'était vraiment cool. Allez, on retourne du côté de Jelgala. Il faut que je retrouve le roi. Ça c'était badass. Alors, il y a des bandits des montagnes qui ont comme prisonniers des chasseurs de primes. Ils sont arrêtés là, je sais pas pourquoi. Ah non, je suis juste légèrement trop lent. Ah, moins 304. Moins 304! Waouh! Vous voulez pas vous laisser attraper là? Il y a tellement de bandits partout, mais je peux pas les choper. Bon, allez, c'est pas grave. On va directement aller du côté de Veluca. On reviendra à Gilgala après. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, il y a un voyageur, un skald, un garde de caravane. Alors, marchand de biens. À vendre des trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Où se trouve le roi? Il devrait être du côté de Jelkala. Bah, ça tombe bien, on y va. Alors, on va chercher le roi. C'est parti. Je voudrais un fief. Histoire qu'on puisse avancer un petit peu dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire, il n'y a pas d'histoire, mais... Histoire qu'on puisse avancer un petit peu, il me faudrait un fief. T'es qui, quoi? Toi, t'es contre Réchine. La renommée qui monte pas beaucoup. Il faudrait que je fasse des tournois. Ça devrait être cool. Les tournois, ça peut être pas mal.
Alors. Il y a du monde. Est-ce qu'il y a le roi ici? Je crois pas, hein. Je crois que je l'ai pas vu. Comte Velsor. Telrock, Urnias, Comte. Il est sur le terrain, il devrait être près du côté du château d'Ibdeles. C'est où? Bon, c'est là, c'est à côté. Ah. Une grosse lèche, je pense que c'est le roi. Il est là-bas. 199, waouh. Ça va, le roi, il se paye pas trop une méga armée. Voilà. Oh, et... Est-ce que t'as une tâche? Alors, il faudrait que j'aille à Veluca. Bon. Ouais, allez, à Veluca, il faut que j'aille délivrer un message. Bon, il est toujours pas ok pour me finir un fief, ce qui m'embête un petit peu. Parce que ça, c'est la partie longue et la partie chiante. Il faudrait c'est un bon gros tournoi histoire de gagner en renommée. Pour ça, faut que je me balade. Peut-être que si on allait du côté de la Swadi, donc les oranges, ça pourrait être pas mal. Découvrir de nouveaux horizons. Toi, par contre, tu fais vachement pas peur avec tes 25 Pékin, là. Tu te fais attaquer par des bandits et des montagnes, c'est fini, quoi. Allez. Après, je crois qu'on va aller du côté du royaume de Swadi. Il me faut de la renommée. Alors, il me faut Comte Mathéas. Voilà. Ça c'est fait. Donc les relations avec Ravette se sont améliorées. On va aller du côté du Skal. Juste pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Donc là, il y a une caravane. Il y a une armée. Alors, Aiskal. J'aimerais bien qu'il y ait des tournois. En fait, il faudrait un indicateur de tournoi ou là où il y a des tournois. Ça pourrait être cool. Kergit Kanat contre Royaume des Vaigir. Ok, il n'y a personne. Jérémus, Bard Nomade, Artenhemer. Alors lui, c'est pour les sièges. Ça permet de construire des sièges super vite. Jérémus, je sais pas qui t'es. Ah, un chirurgien. Non, c'est vrai que je peux plus mettre d'homme. Ah, non. Mais c'est là que j'ai l'air idiot. Bon, on va aller du côté de Suno. Voir ce que ça donne. Wow, 24 prisonniers. Il s'embête pas, le cirque. Sinon, on va genre du côté du royaume des Nords, on attaque un seigneur pas trop fort, on se fait de la renommée. Mais je suis pas sûr de cette technique. Alors, Fiorentis qui dit qu'on est près de chez lui. Ok, d'accord. Content pour toi. Alors, épée sous contrat, mais il y a genre personne ici. Ah, bon, on va revenir du coup. Ça fait 20 minutes déjà.
Il faudrait vraiment que j'aie un fief, mais pour ça il faut vraiment plus de renommée. Je sais pas, j'hésite vraiment à aller genre au Royaume des Nords, me trouver un petit jarl pas trop fort et lui taper dessus. Mais le truc c'est que ils ont quand même des grosses armées, donc je sais pas trop. Aha! Ah non, bah non. Il y a des pilleurs là. Est-ce qu'on peut les choper avant? 4,6, je suis du 4,8. Aïe. Oh, juste pas de renommée associée. Bon, on va s'occuper des pilleurs. C'est des mecs qui sont à poil. Oh là là. Voilà. Raté. Ah, j'arrive plus à taper. Ça, c'est fait. Aucune perte. Voilà. Bon, 6 deniers, c'est rien. Mais voilà, c'était déjà ça. Parce que je fais pas souvent des bastons. Donc ça va. Ah là là. Bon, bah je crois qu'on va arrêter là. Juste améliorer tout ça. Voilà. Tiens, Borchaké. Au niveau supérieur. Donc, on va mettre connaissance du terrain, ça va nous accélérer un peu. Voilà. Donc on est plutôt pas mal, il faut vraiment qu'on continue d'améliorer la renommée de notre personnage. Mais ça sera dans les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous !